Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ce programme Tout clair sur la télévision du monde. C'est votre talk show qui vous permet de pouvoir échanger, commenter, discuter, analyser une actualité. Et ce soir, nous analyserons principalement une en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun TotalEnergies 2021. Un glissement vient d'être opéré, notamment autour de l'organisation de cette compétition, précisément autour du stade d'Olembe. La réception attendue le 9 novembre a finalement été provisoire et une réception officielle ponctuelle ou agrémentée de l'innovation de l'infrastructure est attendue pour le 3 novembre 2021 prochain. Le a tenu sa parole face à la Confédération africaine de football, même face au monde du football. La question meuble davantage le quotidien des Camerounais et plus encore les Africains qui attendent d'être très nombreux au pays d'Albert de Samuel Eto'o pour justement vivre cette compétition du football africain. Mais au-delà, une autre affaire qui revient sur la scène et qui c'est l'affaire Daphné Lazara. La justice condamne l'État du Cameroun, notamment au lendemain de décisions prises à la fois par le ministre du Domaine, Cadastre et Affaires foncières, mais également le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État. Ces décisions peut-être été arbitraires, du moins l'avis émis par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Nous en parlerons ce soir au regard de cette actualité qui défraie la chronique. Lazare Atou a-t-il été réhabilité dans ses droits en tant que liquidateur des ex-sociétés d'État, à savoir ex-ONCPB, ex-ONPC, mais également ces entreprises qui, justement, ont été mises en liquidation en raison des situations difficiles qu'elle vivait depuis quelques années. Voilà les deux sujets qui vont animer cette émission de Tout au clair de ce soir. Et on pourrait également vous servir un biscuit à l'entame de ce programme. Vous aurez la possibilité de savoir quel est le biscuit que nous avons préparé pour vous dans cette émission de Tout au clair, qui, je le rappelle, est une émission interactive. 96 14 03 12 6 96 14 03 12. C'est le code d'accès par SMS exclusivement dans le cadre de ce programme LTM TVO. Vous pouvez écrire votre page Facebook sur ces réseaux sociaux. Et vous êtes connecté pendant 120 minutes d'émission pour ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, ce sont des thématiques, des invités. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Des acteurs politiques et des universitaires triés sur le volet pour nous accompagner ce soir de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Je le rappelle, la principale thématique, affaire Lazare Atou, la justice qui condamne l'État du Cameroun, bien évidemment, et qui semble donner onction ou réhabiliter le cabinet Atou dans la gestion des ex-entreprises d'État. Nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, glissement après le premier observé autour de la CAF 2019 qui est finalement ou qui doit finalement se jouer en 2021. On en parlera 2022 dans l'année civile, mais dans l'organisation, l'on a retenu l'année 2021 d'avoir la raison de la pandémie COVID-19 qui a obligé cet autre glissement. Pourtant, un glissement a été opéré pour ce qui est de la livraison du stade d'Olembe. On va comprendre peut-être avec les méandres de ce glissement opéré autour de la livraison du stade d'Olembe, le stade qui devra abriter la rencontre d'ouverture et certainement la finale de la Coupe des Nations 33e édition que le pays de Samuel Eto'o fils de Albert Oumila ou de Bel Joseph Antoine et de Mankono va abriter dans les tout prochains jours. Et pour discuter de cette thématique avec nous ce soir, un universitaire Niamsi est de notre ce soir. Docteur Niamsi, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes. Content de refaire l'actualité et nous pensons que nous allons avoir un débat citoyen. Alors, avec vous, on va rester sur une actualité non des moindres. Hein. La ville de Douala a été cadenassée, militarisée pendant un peu plus de 20 ans.
hier déjà mardi, et ce mercredi, autour du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Peut-on comprendre cet encadrement militaire ou policier autour des éléments ou alors autour du président national du MRC et de ses militants? Oui, Fazan, les renseignements généraux à Douala font leur travail. Voyez-vous, il n'y a pas d'effet à tous les spécialistes de la communication. Ils vont savoir une seule chose, il n'y a pas de commentaire libre lorsqu'on dit que l'insurrection peut arriver dans la ville de Douala. Il est donc de bon ton que les autorités puissent mettre les citoyens dans ce qu'on appelle la légalité et pouvoir circuler dans l'aller et venir. Sauf que l'INA Académie, pour ce cas que j'ai et je respecte ses opinions politiques, se trouve en mal avec ce qui s'est passé dans Douala, plus précisément au commissariat du 9e. Le c'est malheureux de ce garçon dont la levée du corps a eu lieu aujourd'hui aux alentours de pratiquement 13h30, heure locale, et qui coïncide directement avec la résidence du professeur Kamto. D'où, d'après les renseignements généraux, ça pouvait faire ce qu'on appelle un effet de ce que nous voulons plus dans cette république. Alors le professeur Kamto à Douala, au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est pourquoi vous voyez tout cette escorte militaire, parce qu'on aurait pu prendre une question entre la sortie du dédicace du livre du professeur Kamto. Alors, on a un autre accompagné ce soir, Jacques Cranman, il est militant du Parti camerounais pour la réconciliation. Bonsoir, monsieur Frédéric. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. J'adresse un bonsoir particulier à qui sont sympathisants et militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, le Parti camerounais a-t-il un mot à dire sur ce qui peut être considéré comme étant séquestration d'un acteur politique de choix, notamment le président du parti politique, d'ailleurs, qui revendique la première place de l'opposition au Cameroun? Monsieur Moutomé, ce que je vais dire de cela, c'est que c'est bien le président de la République, Paul Biya, qui avait dit il y a quelques années qu'on ne devrait plus avoir peur d'exprimer ses opinions en public. Maintenant, j'aimerais faire un rappel sur certains faits. C'est que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, par l'entremise de son président national, a organisé une cérémonie de dédicace d'un livre, Le fédéralisme communautaire, il y a quelques jours, ici à Douala. C'était non loin de l'aéroport. C'était sans problème, sans grâce. Je crois donc que notre Camerounais qui choisirait pareil, cela ne conduirait pas forcément à une casse ou à quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. L'atmosphère politique devrait être décrispée, l'atmosphère sociale devrait être plus à la réconciliation, plus au rassemblement, beaucoup plus moins à des effets d'échauffourée, à des effets d'annonce. Parce que je vous rappelle que le quadrillage de la ville de Douala aujourd'hui sur le plan aux contribuables camerounais. Lui ainsi. Monsieur Moutomé, pour faire une évaluation de ce genre, ce n'est pas difficile. Vous savez, si vous comptez le nombre de véhicules et engins motorisés qui ont été déployés sur l'ensemble du triangle de la ville de Douala, en termes de... Maintenant, si vous estimez le déploiement des de manière individuelle à chaque poste, pour être quelqu'un qui est proche de ces services-là, des services de sécurité, je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui se fait avec 10 francs. Donc, non seulement il faut déployer des énergies, il faut déployer des compétences humaines, il faut déployer également un lourd matériel sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan financier, ça coûte beaucoup aux contribuables. Je pense que on aurait laissé la personne mener son activité politique ou alors son activité dans le cadre de la dédicace de son livre, que ce serait passé comme une lettre à la poste. Ça n'aurait même pas été de 10 minutes pour l'émission de ce soir. Donc, ça aurait été une autre occasion de donner la vérité aux Camerounais, de leur montrer que nous ne sommes pas dans un pays de liberté. Merci à vous, Jacques Bertrand, militant du PCRN. Nous avons également le Rassemblement
démocratique du peuple camerounais qui est avec nous. C'est un conseiller municipal, je pense, de la commune de Mbankomo, qui est de notre ce soir. Jean-François Yinga, bonsoir, merci avec nous ce soir. Bonsoir Fred, merci pour l'invitation et bonsoir particulièrement à mes copanélistes, à tous vos téléspectateurs bien sûr. Je voudrais déjà saluer les efforts posés par le gouvernement pour la sécurité des hommes dans ce pays et aussi pour ce que le gouvernement fait dans le cadre infrastructurel dans ce pays. Alors justement, vous parlez de sécurité, on a un peu, peut-être trop sécurisé Maurice Kamto. Est-ce une volonté du régime, notamment qui est soutenu par le RDPC, de séquestrer le professeur Maurice Kamto, de l'empêcher de pouvoir s'exprimer, bref, de nuire à ses libertés individuelles et d'aller. Le professeur Maurice Kamto est un ange déchu, excusez-moi l'expression. Vous savez, même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour sauver le monde, à côté de lui, il y avait un diable. Et c'est ce diable qui se manifeste en Maurice Kamto aujourd'hui. Vous Kamto, ne dites pas que Maurice Kamto est un diable. Je ne dis pas qu'il est une image. C'est une image que je suis en train de vous poser. Donc, je voudrais vous dire, la gendarmerie est là pour la sécurité des hommes et de leurs biens. Mais en même temps, bloquer les hommes et les biens avec des engins anti-émeutes qui terrorisent une population. Que je parle. Oui, mais pratiquement terrorisent une population. On a en droit de se dire qu'on a déplacé carrément la gendarmerie simplement pour M. Maurice Kamto. C'est pas que le copanéliste d'en face vous a tout dit. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le professeur Maurice Kamto n'a pas été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça a été fait à distance. Avant tout, le professeur Maurice Kamto est d'abord un professeur d'université. Ça veut dire que c'est un sujet pensant. Il sait ce qu'il fait. Et il prépare sa dédicace le jour de la levée du corps de ce monsieur, paix à son âme. Il sait bien que cela peut faire exploser le cas. Le professeur Maurice Kamto a tout perdu sur le plan politique, sur le plan légal, pour arriver à la magistrature suprême. Tout ce qui peut sauver le professeur Maurice Kamto maintenant, c'est une insurrection. Et il est dans la logique insurrectionnelle. Et je pleure beaucoup lorsque le représentant du PCRN pleure les centaines de millions. Vous savez que la vie camerounaise vaut ces centaines de millions? Ou bien parce que pas proche d'un certain nombre de renseignements, vous ne savez pas ce que le professeur Maurice Kamto est prêt à faire pour ce pays. Je vais vous dire quelque chose. Une branche à la base s'est réunie plusieurs fois en Europe pour cotiser l'argent et financer la terreur dans ce pays. Ça, je vous le dis clairement. L'heure n'est pas à la blague. Moi, je ne sais même pas ce que le professeur Maurice Kamto fait même encore dehors. Le professeur Maurice Kamto, nécessairement... Vous nous dites devait... qu'il faudrait remettre votre... Oui. Pourquoi? Le professeur Maurice... Il vient de passer 9 mois en prison, il a été en plus gracié, mais il a bénéficié d'une autorisation exprès du chef de l'État pour qu'il se retrouve à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il voulait à nouveau remettre Maurice. Un de mes camarades avait dit que le chef de l'État est parfois plus gracieux que le Jésus-Christ. Je vais vous dire que je confirme ces dires. Parce que moi, à la place du chef de l'État, le professeur Maurice Kamto ne sera plus dehors. Le professeur Maurice est dans une logique insurrectionnelle, dit très bien, qui vise à déstabiliser le pouvoir, à déstabiliser l'État du Cameroun pour son compte personnel. Il ne lutte même pas pour ses habitants, il lutte pour son compte personnel. Vous savez, ils sont aujourd'hui contre lui. Parce que, raté les élections en 2018, il a trouvé mieux de ruiner l'avenir politique à comprendre le MRC aux élections de 2018. Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto bagarre pour lui seul. Et si j'ai dit qu'il est un ange déchu, c'est parce que tous les milliards qu'il a là, il a eu ça de la grâce du chef de l'État qui a fait le ministre de la Justice pour de l'argent. Et c'est une accusation. Je vais vous dire qu'il a détourné comment parce que son cabinet, Ben Trost, a gagné des marchés alors qu'il était lui-même vice-ministre de la Justice. Il a donc eu tout cet argent. Il a eu tout cet argent et tous ces titres-là par la magnanimité du président. Merci. Et aujourd'hui, il se retourne
contre le pouvoir qui a fait de lui un nom. C'est donc un enjeu déchu. Merci beaucoup à vous. Alors, Abel Elimbilobe, également notre consultant. Abel, bonsoir. Merci de nous accompagner une fois de plus. Un communiqué du mouvement pour la renaissance du Cameroun, signé de maître Christophe Mbé, secrétaire général de cette formation politique de l'opposition, qui dit d'ailleurs, le MRC condamne fermement une nouvelle escalade dans la violence contre son président, harcèlement permanent et ces violences flagrantes de ses droits garantis par notre constitution, les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun. Le mouvement pour l'instant du Cameroun, puisque d'un tel acharnement, l'objectif affirmé est d'empêcher par tous les moyens de mener paisiblement ses activités en tant que parti politique. Il tiendra le gouvernement responsable de tout ce qui arriverait à son président national ainsi que de toutes les conséquences imprévisibles qui en résulteraient. Le communiqué, je rappelle, par le secrétaire général de cette formation politique. Une sortie qui peut être compréhensible au regard de ce qui a été déployé comme force de maintien de l'ordre autour du président Maurice Kamto. Ce que je peux dire, c'est que quoi de tout ça, c'est des choses déjà entendues. Tout ce blabla, il est le fait des hommes cultivés, systèmes qui ont mis en place. Monsieur Kamto a été un serviteur de ce système, tout le monde le sait. Et quand le représentant du RDPC l'appelle un ange déchu, ça n'étonne personne, ça n'émeut pas non plus. C'est la vérité. C'est un homme du système qui est déchu. Je ne suis même pas sûr qu'il est déchu. Parce qu'on a vu l'ange Kindi après 20 ans de bagarre avec le système qui a estimé qu'il peut retourner au système. Donc demain ou après-demain, M. Kamto aussi peut retourner là-bas où il est venu. Donc tout ça, je considère que c'est des épiphénomènes politiques qui ne nécessitent même pas qu'une chaîne de télévision prestigieuse comme la vôtre y consacre une seule minute. Mais c'est une actualité, M. Limbi. On ne peut pas passer inaperçu non plus. C'est une actualité. Il est important que ce qui se dit ici nous édifie. Si c'est simplement pour aider les gens à faire leur one-man show. Est-ce qu'on doit pouvoir bloquer un individu qui, lui, est venu dans la ville à la fois pour rencontrer ses militants, pour apporter de la compassion, du réconfort à ses camarades qui sont au-delà de cela, procéder à la dédicace de ses. La même dédicace, je le rappelle, a eu lieu à Yaoundé, sans véritable émouvoir la ville, sans que rien ne soit bloqué. Pourquoi à Douala, Maurice Kamto est embastillé? Mais je suis en train de dire que moi, je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que ce n'est pas la première fois qu'on prive les gens de la liberté de faire. Monsieur Kamto était au service d'un régime qui ne faisait que ça. C'est ça que je dis. Que. Il y a un proverbe chez nous en Douala qui dit que si tu as traduction mot à mot, si tu ne mets pas ton dans la gueule du chien, il ne te mord pas. Hein? Et puis il y a encore un autre proverbe qui dit que tu as cultivé le serpent qui te mord. Tu as élevé le serpent qui te mord. Moi, les turpitudes que des gens qui étaient des serviteurs du régime et des serviteurs zélés du régime, comme les et bien d'autres, les turpitudes auxquelles ils peuvent être confrontés ne meuvent pas, ne constituent pas pour moi un problème. Lorsque M. Kamto a vécu dans le régime et 7 ans dura, le régime n'a pas changé. Il interdisait les manifestations. Nous, on était dans l'opposition, j'y suis toujours. On fournit. On embastillait ici, on fermait là-bas. Jean-Jacques Kindi voulait faire une marche, on fermait ici, on arrêtait là, pendant quelques jours, etc., etc. C'est pratique. M. Kamto les a soutenus quand il était dans le régime. Il n'a jamais plaint que le régime interdit aux opposants de faire ça. Je me demande comment il a pensé que l'opposition était bien pour lui. Il doit découvrir que l'opposition n'est pas bonne pour lui. Et c'est pour ça que je condamne tous les partis qui se disent de l'opposition, qui se mettent en attelage avec des personnages comme ça. Parce que, la Bible, une fois de plus, éviter les attelages disparates. En effet, qu'est-ce qu'un ancien serviteur du régime a à voir? Les gens qui vous disent que le pays est mal organisé,
disait qu'il était bien. Le pays, le président était un homme d'État. Il est toujours un homme d'État, monsieur Kamto. Maintenant, il vous tape. C'est un homme d'État. Il vient de vous taper. Quand il nous tape, vous disiez qu'il était un homme d'État. Donc, vous comprenez que cette vision très simpliste de la politique où on peut croire que le bien est à géométrie variable. Géométrie variable produit ses effets. Et si c'est Kamto qui en souffre aujourd'hui, je dis, tu vois très bien le type de monstre que tu as contribué à fabriquer. C'est ça le monstre de Frankenstein. Merci beaucoup. Cette première contribution reste avec vous pour justement rentrer de plein pied dans la première thématique qui nous intéresse ce soir. C'est une thématique qui porte autour de l'affaire du cabinet Lazaratou. C'est une affaire qui vient de défrayer la chronique. On en parle, on en reparle encore. On se souvient, il y a quelques jours, d'être le contrôle supérieur de l'État qui prenait une décision à l'encontre du cabinet Atou, une décision davantage qui mettait pratiquement en débat le cabinet Atou. Alors, cette décision, pour certains, était jugée utile. Pour d'autres, elle était un peu sévère. De votre point de vue, quelle devrait être la posture du contrôle supérieur d'État, qui d'ailleurs agit au nom du gouvernement de la République? C'est d'abord de respecter les lois et règlements du pays. Je ne comprends pas quelles sont ces institutions et les juristes qui les animent, qui ne sont pas capables d'accompagner les institutions dans l'accomplissement des actes irréprochables. C'est ça le vrai problème. Quels sont ces juristes qui préparent les décisions du contrôle supérieur de l'État qui sont susceptibles d'être par la justice? Parce que c'est la justice qui dit, sauf si au contrôle supérieur de l'État aussi on considère que la justice là est mauvaise. Parce que nous on dit depuis qu'elle est mauvaise et tous disent qu'elle est bonne. Maintenant eux-mêmes, et eux, ils ont parfois des points de friction. Donc tout ça m'amuse. C'est la production des preuves supplémentaires. Enfin, elles ne sont pas nouvelles, ces preuves ont déjà existé dans d'autres circonstances. Que ce que nous avons toujours dit est vrai. Il est mal gouverné. Le régime du président Biya ne fait pas très bien son boulot. Il a cultivé une manière de gouverner qui peut se retourner contre lui. Il a produit les... Parce que Kamto, c'est un putschiste, hein, faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a dit on fait une marche pour chasser le président élu. Donc, si quelqu'un qui est un putschiste ne devait même pas être libre de mouvement. D'accord, on va pas revenir sur ce sujet. C'est pour dire que le régime découvre lui-même aussi des turpitudes. C'est-à-dire qu'il a fabriqué des gens et ces gens se retournent contre lui. Et le régime fabrique, prend des positions qui se retournent contre lui. Parce qu'il y a de l'incompétence, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a ceci. Pour revenir très simplement et peut-être sortir à travers Atou. Mais Atou, c'est une fabrication du régime. C'est le régime qui a pris un clerc de d'huissier en attente de charge qui n'avait aucun précédent qui justifiait qu'on lui fasse une liquidation pour ces entreprises publiques. On l'a fabriqué de toutes pièces. Ce sont les méthodes du régime. Aujourd'hui, le régime, le combat, il n'arrive pas très bien à trouver la bonne façon de le combattre. Je me dis, c'est ça qui prouve que nous avons eu raison depuis le début des années 90 de dire qu'il nous faut changer la gouvernance de ce pays. C'est bien que c'est ceux qui ont soutenu ce régime, qui sont au service de ce régime, qui découvrent chaque jour eux-mêmes leurs propres erreurs. Le contrôle supérieur n'est pas capable aujourd'hui d'établir que le cabinet a tout mérite qu'on lui enlève les comptes. Mais qui a donné à tout ces affaires de liquider l'ONPC, l'ONPB, la régie FECAM? Mais c'est eux. Au moment où ils donnaient ces marchés-là à tout, ils ont dit qu'il était le meilleur pour faire ce boulot. Ils n'avaient jamais rien fait de ce type de tel avant. Alors, donc, eux-mêmes, ils ont fabriqué un serpent qui... devient serpent de mer. Non, il n'est pas un serpent de mer, c'est quelque chose qui est tentaculaire, mais enfin, qui les dépend. Ils ont fabriqué à tout, et à tout, aujourd'hui, les embêtent d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ça me fait rire, et je pose la question au contrôleur supérieur de l'État, incapable juridiquement
de monter ton coup contre. Tu es incapable. Une question que nous allons également poser certainement au contrôle supérieur de l'État. Jacques Bertrand Mont, le contrôle supérieur de l'État a donc suspendu de signature le cabinet à tout autour de ses actifs ou de ses. De ces actifs résiduels des compagnies ou des ex-entreprises ONCPB, ONPC et Régifecam. Mais pourtant, la raison évoquée est justement des graves irrégularités constatées dans la gestion de ce patrimoine-là. Alors, comment comprendre que cette suspension soit, mais pourtant, à tout semble ne pas vouloir laisser tomber l'affaire? Il faut d'abord... Monsieur Moutoumé, peut-être comprendre pourquoi est-ce que cette suspension a été pensée, pourquoi est-ce que cette suspension a été matérialisée par des communiqués, ainsi de suite. Vous savez, il faut toujours rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent que dans les années 90 et même avant, il y avait des sociétés camerounaises qui étaient véritablement fructueuses, qui étaient très fructueuses et qu'avec le vent de la crise économique et tout, certaines se sont retrouvées en difficulté, parmi lesquelles l'ONCPB et les deux autres qui sont consacrées aujourd'hui, dont la gestion des actifs résiduels est consacrée au cabinet Atou. Et il y a deux choses qui sont importantes à savoir, c'est que la gestion des actifs résiduels de ces entreprises-là, au niveau du cabinet à tout, font débat parce que, en fait, ces entreprises faisaient partie des fleurons même de l'économie camerounaise en 90. C'était, ces entreprises faisaient partie des plus importantes dans le système d'émergence et industriel au Cameroun. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce que, parce qu'il faut se poser cette question, comment est-ce que M. Atou a réussi à être désigné comme étant liquidateur de ces entreprises-là. Et lorsqu'on pose ces questions, vous allez comprendre. Monsieur Atou, en qualité de liquidateur des entreprises, des ex-entreprises dont on a cité, a un travail à faire. Et ce travail devrait être échelonné sur un temps. C'est là que vient le premier vice. C'est-à-dire que depuis 2021, imaginez un peu le temps qui s'est déjà écoulé. Dans le contrat qui lie le gouvernement au cabinet de tout, donc dans ce contrat, il n'est mentionné nulle part une clause de temps. L'autre chose, c'est que lorsque la gestion des actifs résiduels d'une entreprise doit être faite de manière objective, généralement, on devrait attribuer ce travail à une société comme la Société Camerounaise de Créance, un organisme étatique qui a la possibilité de faire ce travail parce que déjà l'État a le pouvoir régalien sur cette entreprise-là. Maintenant, vous allez vous rendre compte que chaque fois que ce travail est plutôt confié à tel individu, c'est parce que derrière, il y a des personnes qui ont des appétits individuels. Cela revient donc à encore la question de savoir à M. Atou, comme disait votre consultant tout à l'heure, à cette époque, n'avait pas encore pignon sur rue en tant que huissier de notoriété reconnue, d'utilité, n'avait pas encore une certaine expérience, n'avait pas encore un certain passif, un certain vécu, mais à qui on a confié à cette époque-là la gestion d'un passif des immeubles construits et non construits, qui aujourd'hui en 2020 ont une valeur d'à peu près 284 milliards de francs. Vous voyez donc que ce que M. Atou gère est tellement important au point où ça aiguise des appétits. Non plus seulement par ceux qui l'ont mis sur ce levier-là, mais aussi par ceux qui estiment que que eux aussi partagent le gâteau qu'est la gestion de ces actifs résiduels. Maintenant, quand on fait cette analyse, on se rend compte que
ont individualisé la chose publique. C'est-à-dire, les richesses qui devraient appartenir à la communauté deviennent l'outil des bagarres des petits copains. Parce que il y a une presse de notoriété qui renseigne à suffisance sur qui sont les mentors de M. Atou. Maintenant, s'il faille que l'on revienne sur la procédure qui a été engagée contre M. Atou et sur la décision ou les avis que le juge du tribunal de première instance de Bounandjo a rendu, c'est un autre débat. Et j'espère que nous allons y revenir. On va y revenir dans quelques instants. Dans le cours de ce débat. Maintenant, pour chuter rapidement, j'aimerais faire remarquer aux Camerounais que ce qui intéresse ceux qui ont la gestion de la chose publique, c'est comment cette chose devient une chose domesticable et individuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement avec le cabinet Atou autour de la gestion des actifs résiduels de ces ex-entreprises d'État, ONPC, ONCPB, mais également Régifercam? Oui, Fred, je crois que c'est un problème de justice. Et la justice a un certain nombre d'informations. Justice. Au point où, lorsqu'ils prennent une décision, ils savent pourquoi ils prennent cette décision. Je parle là des autorités judiciaires. Monsieur Atou, il faut d'abord en féliciter déjà aussi le Cameroun. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas la justice au Cameroun, il faut d'abord noter que vous pouvez prendre et avoir gain de cause. Mais on n'est pas encore à la décision du tribunal de première instance de Douala Bounandjo. On est d'abord à comprendre véritablement. Il a eu la gestion de cette entreprise, mais aujourd'hui, on semble vivre un véritable appétit autour de ces 284 milliards qu'il a autour de cette affaire, de ces ex-entreprises-là. Pourquoi toujours le cabinet Atou est mis en situation difficile? D'ailleurs, il y a d'abord le ministre des Domaines Affaires Foncières qui a sévi. Ensuite, il y a eu le ministère des Finances. Et d'ailleurs, le cabinet Atou a fait tomber pas mal de ministres qui ont voulu s'attaquer à la gestion de ces 284 milliards. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. A fait tomber des ministres, ça, moi, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que le fait de reprocéder... Si vous ne le savez pas, vous êtes disqualifié pour ce débat, monsieur. Il n'y a pas de problème. C'est une nouvelle que vous me dites que le cabinet Atou peut faire. Si vous ne savez pas que le cabinet Atou a eu des démêlés avec le ministre Essimi Meunier, a eu des démêlés avec le ministre, a eu des démêlés avec plusieurs ministres, avec plusieurs ministres du cadastre et des affaires foncières. Donc, si vous ne le savez pas, je crois que vous êtes disqualifié du débat qui nous intéresse ce soir. Et c'est dommage pour les auditeurs qui nous écoutent. Ministre, il en fait trop de tapage. Je crois que nous devons d'abord remercier le gouvernement camerounais qui reconnaît la compétence d'un certain nombre de Camerounais en lui donnant cette tâche qui pouvait être donnée à n'importe qui. Il a été choisi en tant que Camerounais. Là, nous devons d'abord reconnaître que l'État du Cameroun reconnaît la compétence. Maintenant, il n'est pas mauvais. Il y a cette question de la compétence. Il a été reconnu que M. Atou sortait, était encore clair. Il n'avait pas une véritable charge en tant que huissier. Comment s'est-il retrouvé à gérer un patrimoine aussi énorme alors que véritablement, en tant qu'acteur de ce domaine-là, il n'avait pas encore prouvé quoi que ce soit? Je crois que lorsque vous êtes sous la houlette ou bien sous la conduite d'un huissier, et il peut tout simplement vous coter un dossier, c'est-à-dire l'huissier peut décider que mon jeune clègue-là est déjà compétent. Qui ont eu des charges comme ça, qui ont reçu des dossiers comme ça de la part de leur mentor. C'est-à-dire, c'est lui qui juge. C'est un peu comme si vous avez formé, vous êtes un formateur. Vous pouvez juger que monsieur est compétent à pouvoir gérer tel dossier et puis il entre en possession de ce dossier. Donc, je crois qu'il n'y a pas à tergiverser là. Il faut tout simplement reconnaître qu'on a reprocédé les biens à monsieur Atou et qu'il n'y a pas de. Mais sans feu. Si le ministre crie quand même que M. Atou a fait ci, a fait ça, reconnaissons quand même qu'il y a un bémol et que le consul ne pouvait pas la charge de retirer tout ce
sur, au cabinet à tout, sans avoir quand même vu un bémol, dont là un problème de procédure. La justice suit une procédure à long terme et le consul peut prendre une décision à court terme et la justice revient sur la décision. Ce que je sais, c'est que vous allez chercher, vous finirez par trouver qu'il y a quand même quelque chose qui dérange dans la gestion de M. Atou. Mais comme nous ne pouvons pas prendre ce problème... C'est vous qui parliez de compétences. La compétence ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir appétit de détournement. Vous pouvez être compétent, mais avoir des appétits. Je dis donc que M. Atou a des appétits de détournement et c'est ce qui est dénoncé. C'est ce qui est dénoncé. Il reste donc à prouver que cela est exact. Et c'est ça le travail de la justice. La justice est procédurale. Donc, il y a une procédure engagée qui n'est pas encore limitée. La procédure suit son cours, mais pour le il est rentré en possession de ses droits, mais la justice suit son cours. On reviendra sur l'affaire de la justice dans quelques instants. Le cabinet Atou, après la décision du contrôle supérieur de l'État, le suspendant de la gestion de ses actifs résiduels, de ses trois ex-entreprises d'État, a d'ailleurs convoqué Atou pour avoir acquis un bien appartenant à cette gestion. Est-ce qu'on peut être en même temps liquidateur, mais c'était un bien de la liquidation? Je pense que les éminents juristes que compose au Cameroun, qui composent l'effectivité de la justice camerounaise, ont répondu à cette question. Mais voyez-vous, l'imbroglio, c'est que les magistrats camerounais se marchent sur les pieds sur les décisions de justice. Sous ce qui est introduit, qui est M. Atou au Cameroun? C'est une marque de fabrique d'un système. Et qui a fabriqué ce clerc? Qui aujourd'hui, au nom de quoi, peut-il dire non à une disposition légale d'un décret de 1997 qui disait que vous devez remettre les actifs et les passifs dans l'Office national de commerce de produits de base à qui de droit? De remettre l'Office national de port à qui de droit? Lorsque M. Singo, qui est un ancien du cabinet civil à la présidence, qui sort de la primature aussi, lit les tests et dit, mais à tout, les magasins que tu gères au port devraient me revenir selon le décret présidentiel de 1997. À tout dit non, c'est une chasse gardée, mais de qui? Voilà comment le contrôle supérieur de l'État entre en jeu. Lorsqu'il entre en jeu, d'après beaucoup d'investigations, un monsieur de 24 ans, fabriqué de toutes pièces, devient propriétaire d'un immeuble sur le domaine de l'État à 24 ans. Imaginons qu'il était pilote de ligne ou il était pétrolier. À 24 ans, peut-il avoir un immeuble au Cameroun, vivant sur place? Non. Ne venez pas dire d'aller scruter le ciel pour parler des choses du Cameroun. Monsieur Atou sait très bien qui l'a protégé. Il doit répondre au contrôle supérieur de l'État. Qui est l'État garant de l'audit de toutes les entreprises d'État? De 90 à 2001, ça fait 30 ans que ce monsieur gère un patrimoine. Donc il n'arrive pas réellement à nous dire comment cela se fait-il. Vous saviez que la direction de l'ONPC à Bouanjo aujourd'hui est occupé par une société de la place dont j'étais le nom. Mais où vont les frais locatifs? On ne peut pas en dire plus. Ces magistrats, qui au nom de quelle justice ont-ils marché sur les pieds de leurs collègues du contrôle supérieur de l'État, se prédisposaient de quoi? Sur quel article s'était-il appuyé? On vient de prénoter les titres fonciers qui étaient des actifs résiduels de ces trois sociétés. Est-ce que vous saviez que les terrains de la régie Fercam et certaines maisons de cette régie Fercam ont été achetés par certains catcheurs, les cadors du système? Comment est-ce qu'ils ont vendu cela? Qui les a donné un titre foncier? Il a-t-il été fait sur quel morcellement? Autant de questions tarot de l'esprit. C'est pourquoi, madame le ministre délégué, veut voir clair sur la gestion du cabinet Atou.
Je vais vous donner quelque chose qui va vous faire peur. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du port autonome de Douala, il y a des magasins laissés par les entreprises Zeni Boskalis qui devaient revenir au PAD? Lorsque le directeur du port a voulu faire main basse, de quoi on trouvait qu'il n'avait pas ses droits, mais il brandit un décret du président de la République de 1997. La retrocession des anciens actifs de l'Office national de port devait revenir au PAD. Les tests sont là. Qu'est-ce que certains jeunes magistrats veulent en faire? Est-ce qu'il y a des règlements de compte entre les magistrats pour que un prononce et que l'autre dise non, je prononce cela? Nous sommes dans ce qu'on aurait appelé un téléfilm de la justice camerounaise. Il faut donc maintenant appeler le chef de l'État pour tirer une sonnette d'alarme. Alors, il faut tirer une sonnette d'alarme. La justice s'est prononcée autour de cette affaire. Une affaire qui, je rappelle, a davantage permis au contrôle supérieur de l'État de convoquer le sieur Saratou pour avoir acquis un bâtiment appartenant à l'ensemble des actifs résiduels, quand plus d'autres opérateurs économiques ont acquis des bâtiments appartenant à ces ex-entreprises. Mais au-delà de cette affaire, Lazare Atou étant suspendu d'activité, la société de recouvrement des créances du Cameroun étant mise à contribution par à la fois le ministre des Finances et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Lazare Atou s'est pourvu devant la justice camerounaise, et cette justice remet en droit le cabinet Atou dans la gestion des actifs résiduels de ces trois ex-entreprises. Comment peut-il être compris? Au contrôle supérieur de l'État, son magistrat chevronné qui travaille, comment des magistrats peuvent aller à l'encontre d'une autre décision? Est-ce que la procédure mise en place par le contrôle supérieur de l'État était entachée d'irrégularité? D'ailleurs, la décision dit que M. Lazare Atou doit être reconduit droit à raison de ce que, malheureusement, la mesure conservatoire du contrôle supérieur de l'État n'a pas été prise dans les bons termes, Oui, la justice dit le droit. Si ceux qui se plaignent, se plaignent que la justice a dit un droit qui ne leur plaît pas, que eux aussi fassent appel contre la décision, la justice est le tribunal de première instance. Donc ils n'ont qu'à se faire appel. Le problème, est-ce que c'est le rôle du contrôle supérieur de l'État de poursuivre les gens? Encore que ce n'est pas lui. Ce n'est pas le contrôle supérieur de l'État qui a poursuivi. C'est Atou qui poursuit le contrôle supérieur de l'État. Maintenant que le contrôle supérieur de l'État est sanctionné par la justice, il est justiciable aussi. Lui, il peut aussi donc maintenant faire appel. Qu'il nous montre qu'il est fort. Est-ce que le contrôle supérieur de l'État n'est pas fort, si on peut utiliser votre expression, cette qui surveille, qui contrôle pratiquement la gestion à la fois des autorités administratives au plus haut niveau, mais également des entreprises d'État? Comment penser que le contrôle supérieur soit mis en difficulté dans une procédure comme celle-là devant la justice? Parce que le contrôle supérieur est fait d'hommes, non. Ils peuvent faire des fautes. Ils peuvent faire des fautes dans la procédure pour atteindre l'objectif. Si l'objectif, c'est de casser Atou, il peut faire des fautes là-dedans. Si l'objectif, c'est de contrôler simplement et d'établir la qualité de la gestion, eh bien, s'ils font ce travail, ils vont remettre les conclusions de lui qui a donné à tout le mandat. Est-ce que c'est le contrôle supérieur de l'État qui a donné à tout le mandat? Mais non. Donc, il ne peut pas lui retirer ce mandat. Il peut simplement faire le travail de contrôle qui est sa compétence. Quand il a fini, il établit toutes les irrégularités très bien. Fini, il donne les documents de lui qui l'a envoyé en mission de contrôle. C'est la présidence de la République. Si c'est la présidence, il prend tout son rapport, il le remet à la présidence et basta, son travail est terminé. Quitte à la présidence de la République maintenant, de dire ah, Atou a fait ceci, on va le poursuivre. Atou a fait ceci, on va tout simplement clôturer ce travail. Atou a fait ceci. Donc en fait, la justice est en train de nous montrer que procédure qui a été mise en place par le contrôle supérieur était irrégulière. Mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est juste demander au
Premier ministre de retirer son décret d'expropriation des populations de Bonadio parce qu'il est irrégulier. C'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on fait faire aux hommes politiques. On fait prendre au chef de l'État des décrets ici où on nomme des gens qui sont morts. C'est ça. Vous savez, je viens de faire une conférence à l'hôpital et je disais tout à l'heure aux gens, mais écoutez, ne gâtez pas le travail. Vous êtes un fonctionnaire, vous travaillez, vous dites que vous n'êtes pas bien payé, c'est pour ça que vous pratiquez la corruption, vous détournez les malades pour les amener dans vos cliniques privées. Ayez le courage de dire l'État me paye mal, je ne travaille plus pour lui. Au lieu de dire comme l'État me paye mal, je vais faire mal son travail. Ça, c'est inacceptable. Donc, nous sommes dans un climat délétère que nous décrions depuis. C'est la mauvaise gouvernance. On ne nous a pas cru. Et l'accumulation de ces actes est en train de conduire à un pourrissement que personne ne peut plus cacher. Ce n'est pas le contrôle, et c'est le contrôle supérieur de l'État qui confie à tout la mission de faire la liquidation. Non. La personne qui lui a donné cette mission, c'est cette personne-là qui peut retirer cette mission. Qu'est-ce que cette personne attend depuis? Elle ne voit pas que tous les services publics attachés à la détermination de l'information vraie rendent compte de ça se passe pas bien. La personne qui lui a donné ce marché, c'est qui? Vous ne connaissez pas cette personne? Parce que si vous n'avez pas toutes les informations, ne nous amenez pas souvent sur des débats. On a toutes les informations. C'est qui? Non, qui lui a donné ça? Non, vous laisse parler. Dites-nous tout. Non. Monsieur Limbe, vous savez... Qui a donné la liquidation de ces entreprises au cabinet Atou? Monsieur Limbe, dites-le nous. C'est qui? Si vous ne savez pas, c'est vous qui avez mis le problème à l'ordre. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit monsieur non. Mais vous savez très bien que je me dois de garder... Non, c'est une information publique. Oui. Est-ce qu'on a donné au cabinet à tous les marchés là-dedans en cachette? Non. C'est qui a... Qui lui a donné le marché? Dites-nous, monsieur. Non, moi je ne connais pas. Okay. Dites-moi. Si vous ne savez pas, monsieur Mangma, certainement nous dit qui a donné le marché... Je termine. Oui, allez-y. C'est pour ça que je dis que certains débats ne sont pas édifiants. On peut faire des débats et on cache les responsabilités des uns et des autres. Vous savez très bien qui en est le responsable et vous ne voulez pas le dire. Non, n'attendez pas que moi je le dise à votre place. Non, c'est vous les journalistes, c'est vous qui parlez. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde voit qu'on a confié à tout une mission qui n'avait pas d'échéance. La liquidation d'une entreprise, c'est fait pour durer combien de temps? Il y a ça dans l'OADA. Bien sûr. C'est donc là. Bon, les délais prévus par l'OADA sont toujours en train de courir. Non, ils sont dépassés là. Ça, il fait donc quoi avec ça? Qu'est-ce que du port font entre les mains alors que les délais légaux de la liquidation sont échus? Moi, je n'aime pas beaucoup poser les problèmes des sorciers pour essayer de comprendre dans la tête. Qu'est-ce que. Donc, le gouvernement. Le contrôle supérieur de l'État dépend, c'est la présidence dans en train de gouverner. Il ne rend que compte au président de la République. Le président a mis deux choses l'une. Ou c'est le président qui a demandé au contrôle supérieur d'aller contrôler. À zèle que le contrôle supérieur, qui ne devait pas contrôler, est allé contrôler. Il y a une décision, il y a un vide d'État, c'est que le général de la présidence de la République. C'est lui qui est le chef de gouvernement. Qui invite le cabinet à tout à opérer. Général de la présidence de la République, c'est le chef du gouvernement. Non. Si c'est lui le chef du gouvernement, qu'on nous dise. Qu'est-ce que le premier ministre a dit? C'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui a envoyé le supérieur d'État aller contrôler. Ou bien le contrôle supérieur ne dépend pas du premier ministre. Il dépend de la présidence de la République, vous le savez. Donc, le premier ministre n'a rien à dire là-dedans. C'est d'ailleurs pourquoi il est là. Bravo, monsieur le premier ministre, vous n'avez rien à dire. Je croyais que c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement et que dans ses fonctions de chef du gouvernement, il peut donc commettre tous les délits que le gouvernement a pour contrôler. Maintenant, si c'est la présidence de la République qui déploie le contrôle supérieur quand il veut, l'arrête quand il ne veut pas, c'est-à-dire le gère comme un chien, quand il veut que toi te mordes, je laisse le contrôle supérieur aller te mordre. Tout le monde est en train de voir que à tout nous prouve que le système
lui-même est conçu de telle sorte que lui peut continuer à faire ces choses, mais madame le ministre chargé du contrôle supérieur ne peut rien, et a fortiori le secrétaire général de la présidente, qui n'est pas le chef du gouvernement. D'accord, merci. Alors, là je suis dit, voie de fait caractérisée sur l'action menée sur le terrain par le cabinet à tout, la justice a désavoué le contrôle supérieur de l'État. Elle a par ailleurs demandé de lever les télés sur les comptes du cabinet à tout. Une décision qui peut être considérée comme peut-être sévère, mais qui davantage vient peut-être éventrer toute une cabale autour de la des actifs résiduels de ces ex-entreprises. C'est une question, monsieur. Oui. Monsieur Moutomé, nous sommes dans la République du réseautage. Je dis et je répète, je veux que les Camerounais notent cette expression. Nous sommes dans la République du réseautage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne sait pas qui donne les instructions. On dit sur haute instruction, sur très haute instruction, on désigne tel, tel se met en branle, la justice décide, on remet les décisions de justice. Encore que vous m'invitez à vouloir commenter une décision de justice sur ce plateau. Non, c'est un exercice dangereux. Je ne vais pas le faire. Mais je vais vous constater que dans ce pays, il y a des autorités gouvernementales qui ont refusé d'appliquer des décisions de justice. Ça rejoint encore l'histoire de l'otage dont je vous parlais. Non, dans un pays sérieux, dans une gouvernance qui n'est pas une gouvernance par embuscade, il y a un capitaine dans le bateau. C'est-à-dire que quand les instructions viennent de lui, ces instructions-là doivent être respectées. Dans une gouvernance qui n'est pas une gouvernance par embuscade, il n'y a pas des gens qui prennent des instructions et disent aux autres que ces instructions viennent de la haute instruction du président de la République. Parce que c'est l'exercice et c'est le théâtre auquel nous livre le gouvernement que nous avons. Mais il y a des gens de très proches collaborateurs du chef d'État, alors que certains sont à peut-être des milieux de cette plus haute autorité de l'État. C'est même ces collaborateurs qui sont ces créatures du président de la République, qui sont peut-être aussi proches du président de la République, qui font peut-être problème. Ou alors, le vrai problème, c'est peut-être le président de la République. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas voté, ou alors les Camerounais n'ont pas voté un secrétaire général à la présidence, les Camerounais n'ont pas voté un premier ministre, les Camerounais n'ont pas voté un ministre du président de l'État, les Camerounais n'ont pas voté un liquidateur huissier, je ne sais pas qui gère les choses. Fait comme si c'est pour lui. Les Camerounais ont voté le président de la République pour Biya. Il est où? Il est où quand certaines de ces créatures s'arrangent à utiliser la chose de tous les Camerounais comme si c'était leur chose? J'ai l'habitude de dire sur votre plateau ici que monsieur le président de la République est dans une bulle où on a l'impression que ce pays-ci ne l'intéresse pas. Et c'est dommage. C'est dommage pour cette jeune génération à laquelle j'appartiens, qui a en fait l'ambition de vivre, qui a l'ambition de jouir de ce pays qui a toutes les potentialités pour que chacun se rende compte. Mais que des gens ont sacrifié, parce qu'en fait, ceux-là sont les ennemis de la République. Il faut le dire, les ennemis de la République sont ceux-là qui ont décidé d'attribuer les actifs résiduels, la gestion des actifs résiduels du patrimoine de l'État, c'est-à-dire ex-ONCPB, ex-ONPC, à des entreprises qui font dans la même chose pour mon quartier. Parce qu'en fait, une fois qu'il y a le port autonome de Douala et qu'il y a des actifs résiduels qui appartiennent à l'ONPC, qui est l'organisme national du Cameroun, pourquoi est-ce que de manière automatique, il ne devrait pas avoir une rétrocession? Pourquoi? Une fois que il y a des actifs résiduels d'une ex-entreprise comme la régie Fercam et qu'on a une entreprise comme Camrail, on me dira que c'est une entreprise privée, mais on peut créer une entreprise publique qui a des compétences pour avoir la rétrocession des actifs résiduels de l'ex-régie Fercam. Ce n'est pas difficile à faire. C'est le management moderne. Mais en fait, parce que certaines personnes font du management de l'intérêt personnel, et ce qui est dérisoire,
Les questions que vous posiez tout à l'heure à votre consultant, je souhaite que vous les redirigiez aux représentants du RDPC. Pourquoi représentant du RDPC? Oui, mais parce que le président de la République, Paul Biya, est le président du RDPC. Parce que le président de la République, Paul Biya, a nommé tout son gouvernement pour la plupart. Ce sont les camarades du représentant du RDPC sur ce plateau. Parce qu'on a tout un gouvernement qui est en prison, mais ça ne change rien dans la manière de voler. Parce qu'on a tout un gouvernement, du premier ministre jusqu'au ministre lambda, qui ont été pour certains condamnés, pour certains encore en justice, pour des faits de ce genre, mais certaines personnes continuent ostentoirement à vider les caisses de l'État pour leurs intérêts personnels. Et l'exemple, c'est l'une des personnes que nous avons citées ici, avons comme objet du débat son cabinet. D'accord. Ça fait que si le président de la République n'intervient pas vite, parce que ça fait déjà 30 ans, nous sommes du 90 à 2001, c'est que soit il est naïf, ce que je ne crois pas, soit alors, et cette thèse-là, les Camerounais peuvent l'argumenter mieux, soit il est complice. Si nous avons un président qui est la décresse des Camerounais, au profit de ces créatures, c'est très grave. Donc, nous attendons le bon moment et nous nous préparons pour 2025 au PCRN pour changer la donne parce que le Cameroun, les Camerounais ont mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on ne commente pas la décision de justice, mais en même temps, on a le sentiment que c'est une structure. L'un est exécutif, l'autre est certes le judiciaire. Il y a comme une espèce de mise en difficulté d'une structure vis-à-vis de l'autre. Autour de l'affaire, la gestion des ex ou alors des résiduels, des actifs résiduels de ces entreprises. Le cabinet à tout est-il plus fort au tout devant la justice face au contrôle supérieur d'État qui, lui, a pour mission quotidienne de lire ce que les textes prévoient et de rendre compte? Ce n'est pas ça, M. Moutomé. J'ai parlé ici d'un problème de procédure. Et avant d'y arriver, je voudrais d'abord vous dire que je vous pose une question. Est-ce que M. Atou n'est pas Camerounais pour en bénéficier aussi des prérogatives d'un certain nombre de services? Il a eu le droit il a eu ses prérogatives parce qu'il est d'abord Camerounais et parce qu'il est compétent. Vous savez, quand on n'est pas compétent, on parle de réseautage. Sans savoir que le communautaire, on écrit là, le fédéralisme communautaire est même, attendez, c'est même l'implémentation du réseautage dont il est question. Vous revenez à là où il y a absence de compétences sur ce plateau, c'est de votre côté. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre le PCN, le fédéralisme communautaire, et le sujet dans lequel nous sommes engagés ce soir, je parle de disqualifier le débat pour lequel nous sommes réunis ce soir. De parler religieusement, souffrez de me suivre, de m'écouter. Je peux donc dire qu'à compétence zéro, on parle de réseautage. Pourtant, c'est le fédéralisme communautaire qui a même le réseautage. Okay. Monsieur Atou est bel et bien Camerounais pour bénéficier. Vous aussi, vous êtes Camerounais. Vous devriez aussi bénéficier. Est-ce qu'il est plus puissant ou alors Y a-t-il des personnes? Il n'est pas plus puissant qu'une institution, qu'une juridiction. Je veux simplement vous faire comprendre que dans l'un des principes de la juridiction, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et je vous ai parlé d'un problème de procédure. Peut-être le consul, il y a eu vice de fond. Et que la justice ce vice, on ne peut pas déjà le cabinet à tout. Le cabinet à tout pouvait aussi demander une contre-expertise. C'est vrai, c'est des magistrats, des magistrats assermentés qui sont au contrôle supérieur de l'État. Mais alors, il peut porter un jugement qui, par moment, peut ne pas être normatif. Et le cabinet à tout peut demander une contre-expertise qui peut lui reprocéder pour un moment. Mais chaque fois que le contrôle supérieur s'est mis en mouvement, je n'ai pas entendu le camp d'en face demander une contre-expertise. Le contrôle supérieur d'État, c'est le bras séculier de contrôle de l'État. Lorsqu'il s'investit dans une opération de contrôle, il est simplement question pour la personne contrôlée de mettre à disposition tous les éléments. C'est d'ailleurs ce qui a peut-être permis de déceler que M. Atou s'est rendu propriétaire d'un bâtiment, d'un immeuble appartenant à ses ex-entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, le contrôle supérieur l'a convoqué pour cette cause. M.
Monsieur Abel Elimi a bel et bien expliqué ici, le contrôleur vient contrôler et rend copie. Vous comprenez? Le contrôleur ne dit pas le droit. Il ne dit pas le droit. Le contrôleur vient contrôler et rend copie de ce. Tout de même comme la Chambre des comptes. La Chambre des comptes vient contrôler, comme vous avez vu récemment, dans le cas de COVID-19, et vient contrôler et rend copie. Voici ce que nous sommes allés faire. Voici la. La justice va dire son droit, c'est ce qui est en train d'être fait. Non, et il n'y a pas la justice, celui qui les a envoyés. Celui qui les a envoyés prendra la décision, pas de culpabiliser, prendra la décision de les conduire en justice devant la justice. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas au contrôleur de décider. Le contrôleur rend copie de son contrôle et la justice dit le droit au cas où. La personne qui a demandé le contrôle, et je vous rassure que le contrôle supérieur de l'État est rattaché directement à la présidence de la République. Donc c'est au président de la République de décider s'il doit poursuivre le cabinet à tout devant. Qui a envoyé le contrôle supérieur? C'est la présidente. Vous êtes sûr? Bon, pour le moment, je sais que c'est la présidente de la République, le contrôle supérieur. Parce que ce que vous dites renvoie à la responsabilité donc du président. Non, le contrôle supérieur de l'État est adossé. Je n'ai pas refusé. Il y a deux. L'une, c'est que le contrôle s'est déployé sans le président qui est chargé de l'envoyer. Donc, ses conclusions peuvent. Seulement le président. Non, c'est qui envoie. Les services rattachés à la présidence de la République. Qui peuvent envoyer le contrôle. Qui ont aussi la signature. Qui peuvent envoyer le contrôle. Qui ont une délégation de signature. C'est toi qui nous l'apprends. Non, je ne savais pas qu'il y a des gens à la présidence qui ont des autorités. Je ne vous apprends pas, monsieur le ministre des Affaires. Mais vous savez bien qu'il y a des services attachés à la présidence qui ont une délégation de signature et qui, à un moment donné, peuvent aussi demander l'audit du contrôle supérieur de l'État. C'est vous qui nous apprenez ça. Je rappelle que le contrôle supérieur de l'État avait déjà voulu se déployer au cabinet Atout au mois de juillet 2019 et le cabinet Atout s'était formellement opposé à cette procédure. Peut-on imaginer qu'une entité comme celle-là qui a la charge de la gestion des entreprises d'État. Je vous réponds un peu. Monsieur Moutomé, est-ce que vous savez que la gendarmerie peut arriver chez vous un matin, venir vous prendre pour vous auditionner et puis vous présenter une fin de non-recevoir à la gendarmerie pour qu'on n'ait pas un mandat d'amener? Est-ce que vous savez ça? C'est la même chose que monsieur Atou peut demander au contrôle supérieur de l'État la compétence. Qui vous a envoyé? C'est de ça c'est la question. Il faut maîtriser le droit. Et je vous dis, vous êtes le cabinet, c'est un cabinet de droit qui maîtrise bien la règle de droit. Probablement plus que les magistrats. Non, pas probablement plus que les magistrats. Probablement plus que ceux qui parlent peuvent vouloir, comme je disais. Ouais, tu vois, ce que tu dis est très important parce que c'est ça qui nous fondate demander. Toi qui semble donc bien comprendre. Qui a envoyé le contrôle supérieur? Merci beaucoup, Abel Ibn. Alors, je rappelais, je précisais que le cabinet a tout justement avait refusé, s'était opposé à une mission du contrôle supérieur de l'État. On était en juillet 2019. Alors, ce dernier disait que la mission de cette institution, qui avait déjà séjourné au sein du cabinet de 2012 à 2017, avait procédé à la vérification de la gestion qui lui avait été confiée depuis 2006 pour un ensemble évalué à plusieurs milliards de francs CFA. Il ne comprend donc toujours pas pourquoi cet acharnement du contrôle supérieur de l'État au sein de cette gestion. Je vais répondre aux communicants du RDPC en lui faisant comprendre qu'ils sont à Nouvelle, en Gangé, à Soa, à Poli, qui veulent comprendre votre position. C'est une position de bicéphalisme dans le système judiciaire camerounais, où vous avez un secrétaire général à la présidence qui est ministre d'État, vous avez un ministre de la justice qui est ministre d'État. Où l'un veut commander l'autre, et l'autre ne veut pas se laisser commander par l'autre, pour dire que chacun garde sa ligne de compétence. Là, je vous informe, vous pouvez prendre un carnet. Pour revenir à ce qui est là, le cabinet Atout a refusé deux audits. La première audite, le contrôle supérieur de l'État est l'organe auditeur des entreprises d'État du Cameroun. C'est stipulé dans sa charte. En 1997, le président de la République. Précisément, le décret du 4 septembre 2013. Portant organisation des services du contrôle supérieur de l'État. Je vous le dis, prenez le carnet. Vous allez vous rendre qu'en 1997, quand le président Paul Biya dit qu'il faut toujours céder les terres, le cabinet Atout met les injonctions en disant. De décret ne sera pas validé
par son entendement. Lorsque M. Atou Lazare devient administrateur général de ce cabinet, les actionnaires sont les grandes têtes du RDPC et qui siègent au comité central, lui donne prérogative et fait de ne pas pouvoir entériner les décisions venues à la présidence de la République. Nous sommes en 2006-2007. Un autre contrôle audit dans ce pays, mené par Mme Gouamessia, de bonne souvenance, le cabinet Atou refuse encore de prendre allégeance et de dire oui, j'accepte, venez me contrôler. Il y en a un peu de trop parce que celui qui maîtrisait bien le dossier des actifs résiduels du port autonome tape donc la main sur la table pour dire que le port sec jusqu'à Bonaberry appartenait à l'Office national de port. Les logements derrière le stade au Nusport de Bepanda où les gens y vivent et les logements de l'avenue de Gaulle qui sont les logements des agents du port autonome ont vu d'autres personnes. Je vous parle, suivez très bien mon regard. Il faut retrouver ce patrimoine. Monsieur Atou dit non. Et entre-temps, il prend pour bras séculier la justice camerounaise pour dire qu'il est harcelé par le contrôle supérieur de l'État. Est-ce que vous saviez que le 21 novembre, lorsque le contrôle supérieur de l'État a donné des mandats de pouvoir venir répondre à certains actes, malheureusement, au fiasco de voir que trois immeubles dans la et dans les plus prestigieux sont achetés par les membres du gouvernement, je fais taire le nom. L'ancien aéroport de Douala est pris en otage jusqu'à la piste, à la sortie en allant vers l'école nationale RC, à Ouagadougou, où certains Camerounais font même basse sur parfois certains terrains. Quand vous arrivez au niveau de ça, vous allez vous rendre compte que une ancienne société appelée Zeni Boscalis et une autre dont je ne citerai pas sont des locataires du cabinet Atou. Pourtant, le décret de 97 retrouve le magasin au PAD. Où allons-nous vers la fin? Si vous voulez croire un pays, il y a deux ministres d'État qui se marquent. L'un contrôle le parquet, l'autre contrôle les injonctions pour dire au conseil supérieur d'État, va. Alors, quelle est la procédure aujourd'hui ou quelle est la démarche à mener d'une part par l'État, puisque c'est l'État qui veut récupérer ce qui lui revient de droit, et d'autre part, il y a le cabinet Atou qui reste campé sur ses positions. On va finir par croire que même au-dessus de la justice, le cabinet Atou semble trôner. Non, le cabinet Atou ne peut pas trôner au-dessus de la justice. Il faut tout simplement que l'homme qui les envoie, qui envoie le contrôle supérieur de l'État au cabinet Atou, puisse avoir la mention de Paul Biabi Vondobat. C'est ce que les gens attendent. Comme c'est sur très haute instruction. Comme c'est très haute instruction et trop haute, je ne sais pas trop, il y a Anguille Souroche. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Doutes qui pèsent. On ne peut pas le cabinet ou le conseil supérieur de l'État qui va mettre l'argent du contribuable à contribution simplement pour le plaisir de les voir en mouvement alors qu'on attend véritablement de résiduel de ces entreprises revenir sous la gestion, sous le contrôle de l'État. Ça ne pourrait pas revenir parce que lorsque les titres fonciers ont été prénotés, il faudrait que le ministre les prénote. Le gars qui peut être votre locataire va vous dire tant que l'affaire est encore en suspens en justice, vous pouvez demander le loyer, je ne paye pas. C'est l'État qui perd. Parce que c'est l'État qui perdra en ce moment. Lorsqu'on a prénoté les titres fonciers, le gars vous dira non, je ne vous connais pas. Et lorsqu'on va aller en appel, il faut un délai minimum de 40 à 50 jours. Et lorsque les premiers juges du TPI vont faire leur mémoire, ça va faire 10 jours. En attendant que l'affaire vienne trôner en appel, choses qui vont se dire. Et lorsqu'on saura la vérité dans ce problème, c'est pourquoi j'ai dit, il est temps que le président de la République... Tant que le président soit doit-on attendre le point de Paul Biya autour de cette affaire? Il s'agit de beaucoup de milliards, 285 milliards pour être plus exact ou approximatif, ça fait quand même un pactole qui peut faire courir beaucoup d'appétit et qui peut finalement arriver à une guerre des clans autour de cette affaire. Oui, je pense que nous ne devons pas à tout moment appeler le nom du président pour toute chose. Le Cameroun est un état de droit. La justice a pris possession de l'affaire. Permettons que la justice suive son cours et que à la fin... soit l'État du Cameroun est gain de cause, soit M. Atou est gain de cause.
c'est le Cameroun. Peut-être imaginer que monsieur Atou ait gain de cause sur une propriété de l'État. C'est une question. Non, il n'aura pas gain de cause sur une propriété de l'État. Il aura gain de cause sur la vérité qu'il dit. Ou alors, il va perdre s'il dit du mensonge. Parce que gain de l'État. Monsieur Atou a certainement raison dans ce qu'il est en train de faire. Je veux continuer bien les... de garder, de gérer, et après, lorsque je viens vous le demander, vous me dites que vous avez des bonnes raisons de continuer à garder mon bien. Je vais vous prendre un exemple. Si vous me laissez, par exemple, si vous me laissez une maison à garder, et puis je mets des locataires à l'intérieur, vous arrivez, vous trouvez que les locataires sont à l'intérieur, je vous dis, bon, j'ai mis votre maison en location, voici le loyer, 10 ans passés, des années passées, dans tel compte, et maintenant, le loyer est de 10 ans et les gars ont payé 10 ans et ils sont qu'à la 6e année. Vous comprenez bien? Vous allez me porter des plaintes. Vous n'allez pas me porter plainte pour destruction de vos biens. Vous trouverez certainement une autre plainte, mais pas pour destruction. Vous prendrez mon temps de parole, je vous en prie. Attendez. S'il vous plaît, oui. J'aurais souhaité que je vous laisse ma maison et que mon fils soit en villégiature sans toi à l'extérieur. Parce que les sociétés d'État, les délégations régionales des ministères sont dans la décrépitude d'Adora et sont en location, permettez-moi. Et que certaines administrations, telles que la régie Fercam qui a laissé des domaines, laissé un bien immobilier foncier, parfois certains bureaux de la Camaraille sont en location à Douala et ont les magasins en location, sont obligés de louer. Alors on vous dit que le port autonome a besoin des magasins, que vous retrousserez donc. Le port est des enfants. Il a conçu des maisons, les enfants de ce port vont en location pendant qu'une tierce personne, un Camerounais lambda, prend les loyers. Puisque vous m'avez, puisqu'en me donnant, puisque vous m'avez donné la charge de ces maisons-là, donc je suis libre de... Et mon testament, si vous dit retrocéder à mes enfants. Vous venez donc avec votre testament, je vais vous dire, ok, allons devant les organes, les organismes, les organisations compétentes pour qu'ils comprennent l'affaire et que vous rentrez en possession de vos droits. Je crois que ça, là, ça peut être un pan que M. Atou peut soulever. Et dans ce RDPC, c'est pourquoi on voudrait dire aux Camerounais... Au RDPC, ce sont des Camerounais. Merci. M. Atou est un Camerounais. C'est pas l'affaire du RDPC. C'est une justice camerounaise. Merci. Permettez à la justice de suivre son cours. Alors, on doit permettre mais est-ce que finalement, il y a des gens qui ont pris de l'aide autour de cette gestion-là? Monsieur Moutomé, oui. J'essaie d'être calme. Restez calme, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que votre question est une provocation. Non, mais ce n'est que ce que je vous explique depuis le début de cette émission. Et qu'un avocat du diable a essayé de balayer, de lever la main en disant que c'est mais le il a mis en avant la compétence, non, la compétence de certains acteurs qui gèrent cette affaire. Mais non. On a le sentiment aujourd'hui que ces acteurs se plaisent à continuer à gérer cette affaire. Pourtant, de propriétaires légitimes réclament le retour, la reprise légitime ou légale de ces biens. Le système de gouvernance est profondément malade, M. Moutomé, là, je... très sérieux, parce que quand on en arrive au point où ceux ne font plus confiance à ce qui serait une instruction du président de la République, c'est la preuve que certains parmi eux pensent que le président n'est pas là. C'est la preuve que certaines personnes pensent que le président n'a plus le pouvoir de gérer des choses. Excusez-moi si je ramène tout au président de la République. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je devrais ramener cela au président de la République. Et même le représentant du RDPC tout à l'heure a dit qu'il fallait que chacun fasse son travail et que l'on soumette cela au président de la République. Depuis donc qu'il y a des commissions qui ont travaillé à la CONAC, on a soumis des travaux au président de la République. À la NIF, on a soumis des travaux au président de la République. Au Congrès supérieur de l'État, on soumet cela au président de la République. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il attend quoi? Il attend que tout le budget de l'État soit détourné une année, que lorsqu'on s'en va pour vouloir voter une loi de finances, qu'il n'y ait plus rien, c'est là où il agira? Non. Soyons sérieux, ces gens n'ont plus ni l'envie de gouverner, ni la compétence pour le faire. Parce qu'il parle de compétence ici. Il veut justifier le détournement des deniers publics par la compétence.
Si on est compétent, on ne détourne pas la chose qui appartient à l'État. Lorsqu'on a reçu onction de l'État pour la gérer. La bonne moralité, là, ben, on détourne les deniers publics alors qu'on a la gestion de ces deniers publics. Ça balaie toute compétence illusoire qu'on pouvait avoir. Vous, donc, les compétences du RDPC, vous nous montrez chaque jour que votre compétence est la dimension des milliards que vous détournez chaque jour. Et si vous venez ici sur ce plateau, vous montrez et vouloir justifier cela, ça fait très mal. Mais je continue à dire, cher Camerounais, vous avez la possibilité de changer cela. Vous avez la possibilité de changer cela. Monsieur Mouton, mais moi, je suis un communicant politique. Mais vous n'êtes pas. Je suis de la communication politique. C'est-à-dire, quand je parle par rapport à un sujet, il faudrait que je ramène cela à ce qui peut intéresser tous les Camerounais. Venez ici dire que ces gens détournent, tout le monde sait qu'ils détournent. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider? Ce qui peut nous aider, c'est nous organiser à pouvoir les mettre de côté. Il faudrait que nous nous organisions à les mettre de côté. Et c'est ce message-là que nous portons. D'accord. Parce que nous, au PCRN, nous avons l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Parce que nous sommes pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Cette libération des énergies n'a rien à voir avec le détournement des énergies. En achetant les pirogues. Cette libération d'énergie, encore, c'est bien. Vous parlez de pirogues. Si on nous sommes allés acheter des pirogues à Matak, c'est parce que... C'est parce qu'en fait, le gouvernement qui a la responsabilité d'assurer le transport, d'assurer la sécurité, d'assurer le bien-être des populations, a démissionné de ses missions simplement parce que certaines personnes qui sont vos complices détournent les déniers. Quand vous continuerez à le faire, nous avec les petits moyens que nous faisons, nous montrons aux Camerounais que nous avons la possibilité de changer leur système et leur rythme de vie. C'est votre vous problème. L'achat, si cela vous fait mal, si cela me fait mal, c'est votre problème. Ça ne me fera jamais mal. Attention à mon petit gouvernement au Cameroun. En fait, on a des petits partis politiques. Je vais vous parler. La condescendance avec laquelle vous vous adressez aux partis de l'opposition, et particulièrement au PCRN, c'est de la folie. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je chute par là. Je vais vous dire que vous êtes habitué à des formations politiques qui, au-delà des paroles, ne font rien sur le terrain. Le PCRN a montré depuis quand nous avons, plus le magistrat, nous apportons nos propositions. Nous faisons tout pour assurer le quotidien. Merci. Et c'est ça que les Camerounais ont besoin. Vous êtes devenu une imprimerie. Monsieur Yenga, sortons de cette thématique autour de cette affaire qui continue de défrayer la chronique et qui laisse un peu dans leur faim les Camerounais qui veulent finalement comprendre comment se gèrent ces affaires, de gros sous entre les acteurs étatiques et même avec les privés. Le cabinet Atou est mis en difficulté à travers une série de décisions prises par les autorités administratives au plus haut sommet, mais pourtant, la justice de l'autre côté, elle considère que toutes ces décisions ont été prises un peu dans l'empressement et sans le respect des mesures réglementaires. Je sors de la conférence, je n'ai pas eu le temps d'aller prendre ma Bible. J'avais déjà envisagé de garder à tout le pays ce morceau de l'Ecclésiaste qui dit il y a un temps pour toutes choses sur la terre, un temps pour pleurer, je dirais il y a un temps pour être président. J'ai déjà dit depuis, je suis de ceux qui en 2017 ont lancé, j'ai lancé une pétition. Pas pour que le président Biya perde les élections. Parce que je savais que s'il se présente, il gagnera. Il est mieux que tous ceux qui vont contre lui. Et qui vont contre lui sans une stratégie efficace. Ça permet de gagner. Mais ça ne veut pas dire que le président est encore capable de bien gouverner. J'ai donc appelé le président à prendre la retraite. Il ne vous a pas suivi. Il ne m'a pas suivi. Mais ce n'est pas lui. Parce que la pétition n'était pas que lui la signe. C'était pour que les membres signent. Ils n'ont pas signé. Ils ont estimé que c'est comme c'est lui qui lance la pétition, ce n'est pas bien. Il vous a battu aux élections. C'est lui le meilleur.
et vous voyez ce que ça donne. Maintenant, tu es chocho, vous êtes deux jeunes, vous êtes chocho pour vous détriper, vous démontrer que la terre tourne à l'envers. Mais à qui la faute? À qui la faute? Ne saisissez pas cette histoire de cabinet à tout, c'est un épiphénomène qui établit la situation de désordre dans laquelle nous sommes. Mais ce désordre, nous, on l'a vu depuis. Mais ce désordre va durer jusqu'à quand? Peut-être même après 2025, puisque les gens vont encore appeler le président à être candidat. Et que les Mang et les Kamto et les autres ne vont pas être capables de s'asseoir pour définir un candidat de large consensus pour que nos voix ne s'éparpillent pas. Nous avons essayé de nous asseoir au Hilton la dernière fois. Ça n'a pas été pourquoi possible. Pourquoi seulement au Hilton, s'il vous plaît, là où vous allez manger les bras? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Seulement au Hilton, là où vous allez manger les bras. C'était pour que vous compreniez que le problème, ce n'est pas de nous. Ce que vous faites, le problème, en fait, c'est que le gouvernement qui nous parle, le gouvernement qui est celui du Cameroun et du RDPC. Je sais qu'on vous a empêché de vous réunir, mais si vous étiez réunis... Ah d'accord, si vous le savez, ne mentionnez donc pas cela ici. Mais on vous a toujours empêché de vous réunir. Ah voilà, donc ça veut dire que la faute n'est pas d'avoir essayé de se réunir. Non, vous n'avez rien essayé du tout. Adam, vous-même vous dites qu'on nous a empêché de nous réunir. Tu et je dis que la même faute, chose que la tu faute fais n'est avec pas. Lui, avec non, je vous dis, nous sommes dans la logique de la vérité. Pas, je ne comprends pas nous ce que tu dans la logique de la vérité. Tu n'es pas dans la logique de la vérité. Tu es dans la logique de la propagande. Vous-même vous dites. Laissez-moi alors. Tu parles, tu arraches la parole à tout le monde. C'est vous qui avez la parole, monsieur Déby. Allez-y, monsieur Déby. Tu as encore beaucoup d'énergie, mais si tu gaspilles ça, tu n'arriverais à aucune solution. Et notre maître Einstein disait, il n'y a que des fous pour faire la même chose et croire qu'ils peuvent avoir des résultats différents. Vous n'avez rien essayé du tout. Non, ça veut dire que vous vous ensuite, vous êtes en train de vous contredire. Vous êtes allé vous asseoir au Hilton quand vous avez déjà battu aux élections. Vous dites qu'on n'a jamais essayé. Moi, je vous demandais, moi, je vous... Ouais, laisse-moi parler. Allez-y, monsieur, oui. S'il vous plaît. C'est quoi? Ne vous énervez pas, monsieur. Mais je vous ai écouté, non. Je ne viens pas pour ne pas parler. Ce sont des idées. Prenez donc mon temps, finissez d'expliquer. Non, il n'expliquera pas. C'est vous qui avez la parole, monsieur. Je vous ai demandé de vous réunir avant les élections. Vous avez estimé que vous pouvez aller aux élections en rang dispersé. Quand vous venez d'arriver... Je suis dans le désordre. Alors, quand vous venez d'arriver, vous pouvez aussi faire 30 ans d'échec. C'est après être battu aux élections que vous estimez qu'il faut aller vous asseoir au Hilton. Pas pour préparer 2027, mais pour changer le code électoral. Voilà vos comportements. C'est bien de venir nous dire, et tu as dit, et ça c'était intelligent, que s'il faut venir parler de la corruption, etc., les Camerounais savent ça. Toi-même, tu as dit que ce qui est important, c'est on en sort comment. Mais vous êtes responsable. La responsabilité que vous emportez est si grande que jusqu'à maintenant, nous, on se pose la question de savoir comment, dans l'union équilibre, vous deviez gagner les conseils, les représentants du conseil régional du centre. Vous avez fait pour donner vos voix au RDPC, que vous êtes semblant de critiquer. Okay. Alors, pour revenir à l'essentiel, merci. Pour revenir à l'essentiel, c'est pour dire que vous êtes les enfants de la même maison. Ce qui est faux. Pour vous revenir, le savez. Oui, on attend de voir sur le c'est terrain. Vous savez, pour le moment, on vous a vu donner vos voix essentiel. Après le passage du secrétaire général adjoint du comité central. C'est faux. Vous les avez donné au RDPC. Le sujet. C'est vous qui avez donné la voix. Première chose d'important. Le contrôle supérieur, il contrôle quoi? Les entreprises d'État. Oui. Mais est-ce que le cabinet à tout est une entreprise d'État? D'où la question, qui a envoyé le contrôle supérieur là-bas? D'où la capacité du cabinet à tout à résister? Parce que vous n'allez pas traiter le problème avec des comportements informels. Hein? Le cabinet à tout, il a reçu une mission de contrôle, de liquider des entreprises. Le petit m'a posé un problème essentiel tout à l'heure, qui est pertinent, qui ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez changé l'ONPC en PAD? Pourquoi? Quelle était la raison? Quel était l'intérêt? Vous avez donc changé l'ONPC en PAD, mais vous ne prenez pas le matériel de l'ONPC pour le donner au PAD. Vous choisissez d'aller le vendre. Le patrimoine de l'ONPC que vous avez décidé de mettre en liquidation,
Il ne pouvait pas servir au pape pour faire son boulot. La situation d'aujourd'hui nous montre que ce choix managérial en lui-même possédait les germes de tous les conflits que nous avons. Je croyais que si vous décidez que l'OMPC disparaît, c'est parce que le pont n'a plus d'intérêt. Or, vous avez choisi de changer simplement le nom du port. Il était ONPC, il devient PAD. Mais il ne devient pas PAD avec tout ce que l'ONPC avait. Il reste dans les bâtiments de l'ONPC, mais vous prenez les maisons de l'ONPC, vous allez les vendre. C'est ça la mauvaise gouvernance pour laquelle j'ai demandé aux Camerounais de se mobiliser. Pas pour battre le président aux élections, pour lui demander « Papa, repose-toi ». Deuxième raison. Beaucoup travaillé. Vous avez dit deux raisons. La deuxième. Parce que maintenant, le président ne travaille plus. Même si vous faites comment, le président va arriver à un moment où il ne va plus travailler. Parce que son corps va l'obliger à ne plus travailler. Et on aura donc ce type de désordre. Où le chef de gouvernement constitutionnel ne gouverne pas. C'est mon ami Ngongo qui gouverne. Mais Ngongo qui t'a dit de gouverner. Tu gouvernes, tu donnes les ordres aux ministres, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Avant d'avoir la délégation de signature, il y a eu d'autres secrétaires généraux à la présidence de la République qui avaient des délégations de signature. Quand on vous donne une délégation de signature, ça veut dire que le chef de l'État vous donne la possibilité de signer certains actes qui lui sont adressés pour lesquels il vous a préalablement donné des instructions. Mais ça ne veut pas dire que vous devenez le chef du gouvernement. Hein, mon ami Ngongo, ressaisis-toi, ce que tu fais n'est pas bon. Tu es trop présent dans les actes de gouvernement. Laissez le premier ministre gouverner. D'accord. Merci beaucoup à vous. Laissez le premier ministre gouverner. Merci, monsieur. Alors, comme tu es trop présent et que tu ne veux pas laisser le premier ministre gouverner, sache qu'on ne va pas aussi laisser tes décisions passer. Merci beaucoup à vous. Et c'est ce que Mara dit, il a raison. Donc on va la justice a condamné au profit de Sam Bendé et madame, comment elle s'appelait, elle a dit que la justice, là, on n'applique pas ses décisions. Et on n'a pas appliqué. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas remis Sam Bendé dans ses droits. Pourquoi vous ne voulez pas que Atou estime que le contrôle supérieur, je m'en moque? Et pourquoi vous ne souhaitez pas que quelqu'un d'autre dise que sur haute institution de qui? Que si le président de la République veut parler, qu'il m'appelle lui-même. Lui-même. Je suis ministre d'État. Les ministres sont à Yaoundé. Merci beaucoup, le président monsieur. Est à Yaoundé. Qu'est-ce qui empêche le président de dire venez un peu vous tous là au conseil des ministres? Merci beaucoup, Abel Libelobel, pour cette contribution. Il nous reste un sujet dans le cadre de ce programme de ce soir. On va prendre également le temps de lire les SMS à 5 minutes de la fin de ce programme. Les SMS, on en a déjà reçu ce soir. Certains SMS. Fustige un peu Monsieur Mann de vouloir caporaliser la parole et refuser ou empêcher les autres. Là, il faut l'excuser. La Bible dit qu'il faut les excuser de ça parce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Merci beaucoup pour cette autre contribution à Abel Libelobel. Je sais que vous êtes un féru de Bible et ce soir vous n'en avez pas, mais vous nous gratifiez de quelques versets bibliques. Alors, on va prendre la deuxième thématique de ce soir et on va s'intéresser à ce fameux stade qui continue de défrayer la chronique. Monsieur Yenga, on nous a annoncé à grand renfort de publicité que le stade d'Olembe, à un jet de pierre de la présidente de la République, devrait être livré le 30 novembre. D'ailleurs, il y a eu des inquiétudes de la Confédération africaine de football, l'autre organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Seulement, le stade n'a pas pu être livré. Est-ce qu'on doit pouvoir dire que le Cameroun a échoué? Pourtant, des assurances avaient été données sur cette question-là. Si vous dites qu'un enfant qui a eu 9 sur 10 a échoué, ça veut dire deux choses. 9 sur 10? Vous êtes bête. Vous refusez d'accepter la réalité. Nous avons conçu plus de 11 stades déjà. Et on ne parle pas de notre stade. Le problème s'est posé dans tout du stade on de l'Olembe. Le problème, c'est qu'on peut même décider de ne pas jouer à Olembe, mais on aura une belle Coupe d'Afrique. Le ministre a dit de ces mots. Le stade de l'Olembe reste le stade prévu pour la rencontre d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Et que d'ailleurs, si la CAF s'évertue à changer de site, la CAF serait en train d'insulter le gouvernement de la République et le pays
d'Albert Roger Mulel Samet Office. Oui, je dis, ce débat est un faux débat. Moi, je ne parle pas au nom du ministre. Je parle en tant que Camerounais. Mon pays, pendant la guerre, pendant les attaques de Boko Haram, pendant la pandémie à COVID-19, s'est vertu à construire plus de 11 stades. Et que le problème se retrouve actuellement sur un petit stade, à Sikasso, au Mali. Les lions jouaient sur des pierres. C'était une très belle Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des pelouses de classe internationale. Donc, laissez-nous ces faux débats. Je vous dis, le Cameroun s'en sort premier de la classe avec 9 sur 10 de moyenne. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et que ceux qui sont fâchés, comme le disait l'artiste très populaire, saute et cale en l'air, comme on dit au quartier. Le Cameroun est en train de réussir la CAN. Mais les ennemis du Cameroun sont en train de tout faire pour prouver que le Cameroun n'est pas à la hauteur. Vous savez, M. Moutomé, j'ai comme impression que d'autres personnes pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir par le feu, par le sang, par Facebook, par la rue. C'est pour ça que vous allez donc trouver ce genre de débat sur les plateaux. Et quand quelqu'un vient, il est du PCRN, il s'habille très bien, il sait que je pars défaire le Cameroun. Vous ne défaire rien, parce que votre parole ici ne défaire rien sur la constitution du Cameroun. Le Cameroun restera debout tant que le président Paul Biya existe. Quand vous viendrez avec vos petits partis politiques, vous allez parler ainsi. Je vais donc en disant que la réception technique qui est prévue aura bel et bien lieu le 3. Et cette réception technique va donc dire si réellement l'ouverture va se jouer. Comme nous allons tous à Olembe, parce que nous voyons des images qui circulent par-ci, par-là. Moi, je suis à Yaoundé. Nous avons les images. Et non, ça c'est... Olembe. Entendre 10 000 fois. Je peux permettre à la réalisation de donner ces images. Une fois. Ouais, montrez-nous ça. Non, montrez-nous ça. Les images. Alors, la réalisation va faire ses vertus à nous retrouver ces images, certainement dans... Je voudrais... La configuration de ce qui a été, de ce qui a été diffusé. Je voudrais donc vous dire que... J'ai mes centres d'action et en tant que conseiller municipal, je me dois de vérifier à mon niveau le travail du gouvernement. Je fais donc un crochet, à Olembe. J'y vais. Je peux vous certifier que actuellement, Olembe est la commune de Mbankoumo. Je suis élu du peuple, M. Elimbi Lomé. Non, vous êtes élu de Mankomo. C'est le président qui est l'élu de la nation. Je dis que je suis et les députés sont les représentants. Je peux pas dire que je suis élu du peuple parce que c'est le peuple de Bankomo qui m'a élu. Oui, oui, oui. Mais voilà. Donc, quand tu dis élu du peuple, ça suppose Camerounais, ce qui n'est pas je vrai. Je n'ai pas dit peuple de Camerounais. Je suis élu de Bankomo. Voilà donc ces photos. Oui. Je ne sais pas de quand. Après que cette vidéo a été tournée hier. Dans un film. La vidéo a été tournée hier. Lors de la descente du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouale Kombi, au stade d'Olembe, de son retour de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, où le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a été envoyé spécialement par le président de la République pour aller donner des assurances à la Confédération africaine de football autour justement de cette infrastructure qui devrait être livrée le 30. Le ministre était péremptoire. Je voudrais vous dire une chose. Très rapidement, s'il vous plaît. Vous savez, le journaliste ne dit jamais quand le chien a mordu l'homme. C'est le chien que le journaliste vient présenter. Quand un journaliste arrive quelque part, on sait ce qu'il doit faire. Je veux vous dire, quand moi j'étais à Olembe, ce que vous montrez là n'existe plus. Le stade d'Olembe, allez demain matin, vous verrez que le stade d'Olembe peut abriter un match de football. Et ce que vous faites là, il ne faut pas confondre une chose. C'est la CAF qui vient organiser la CAN chez nous. Et lorsque un monsieur arrive dans votre maison, vous lui donnez la chambre, vous lui donnez le lit, vous lui donnez à manger. Après, vous dites qu'il ne peut pas dormir parce que votre femme est laide. Ok. Docteur Rudolf Niamsi, vous êtes universitaire. Il y a forcément un travail qui a été
est accompli à Olembe avant que la délégation ne se rende à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Il y a que le ministre avait été formel sur la question, le 30, nous aurons le stade et l'avoisement. Donc les engagements extérieurs, c'est une exigence de la Confédération africaine de football pour entériner et valider la tenue de la rencontre d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous vivez, vous voyez les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et même à travers les chaînes nationales et parfois même internationales. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le Cameroun a accompli sa mission pour ce qui est de ce stade? Parce que la querelle n'est pas sur tous les stades. Il y a quelques stades qui ont été incriminés par la Confédération africaine de football et même la tenue des stadiers et d'autres bénévoles. Mais le ministre pour les combis nous a rassuré que ce sera l'équipe de cette CAN. Nous sommes malheureusement surpris que le communicateur du ministère lui-même, à sa personne, M. Loga, a donné un faux rapport au ministre. Lorsque la société Maguil reprenait les travaux de Pichini, il était question que le complexe était à 5%, parce qu'ils avaient dit qu'ils sont à 95% des travaux. Vous savez ce que 5% de 45 milliards, 5% de reste de travaux de 45 milliards à faire? On nous a promis un complexe, on nous a pas promis un stade. On est plus dans le complexe, on est dans le stade actuellement. La CAF ne demande pas le complexe, la CAF demande le stade et ses aménagements extérieurs. À date, les aménagements extérieurs loin d'être. Je vous dis, de sources bien introduites, que les 60 places ont été couvertes parce qu'on a acheté des gens qui ont travaillé notamment. Oui. Mais au niveau des espaces de sortie, d'entrée et des aménagements extérieurs pour la beauté du gazon, Olympe ressemble à un champ de patates. Les images qui crèvent les yeux nous donnent un rapport très très ancré sur la vérité. Ce que le communicant de RDPC veut nous faire comprendre. Je vous ai dit, n'allons pas, parce que nous avons les comptes à rendre à la population en 2025 lorsque nous irons aux élections. N'allons pas dire ce que les Camerounais ont vu de leurs yeux. Présentement, nul ne serait la ce que j'appelle la diplomatie des icônes du football camerounais. Olympe ne devrait plus être un stade pour jouer le match. Là, maintenant, nous sommes en train de mettre la diplomatie du football. On a mis les Roger Mila à convaincre le partenaire de l'Africa Foot et les partenaires de la CAF. Olympe, normalement, depuis hier, on devait commettre un communiqué qu'Olympe ne fait plus partie des événements. Mais puisque nos icônes du football sont toujours en train de ranimer, faire du lobbying, que non, ne gêne pas, d'ici une semaine, tout sera prêt. Bon, d'ici une semaine, tout sera prêt. Nous sommes le dos. Les gars n'ont pas eu leur salaire. Mais les gars n'ont pas travaillé. Parce qu'il y a ce qu'on aurait appelé les sous-traitants qui, depuis la semaine dernière, sont en train de dire qu'ils travaillent 24 sur 24. Mais, tu fais que des sous-traitants. S'il vous plaît. Non, mais des sous-traitants. On ne voit pas sa source. Ah, d'accord. C'est un. Toujours laisser les commentaires libres, mais les. Il faudrait que le jour qu'on interpelle une société à qui on a donné les travaux d'aménagement est en train de crier que les gars. Mais les gens continuent à s'activer tout de même pour rassurer l'état du Cameroun. Les gens s'activent. Le lobbying de Roger Mila s'active. C'est un fort lobbying au point de la CAF. Le lobbying des anciens joueurs s'active. Mais d'après les confrères et d'après les réalités, les images et les passages indécis nous montrent que Olympe devait déjà être disqualifié en date de. On devait ouvrir Bipanda et Japoma pour. Mais comme il y a question qu'Olympe doit faire la fierté du Cameroun. Question, le stade Omnis, le stade Amadou a. Mais davantage le stade d'Olympe. Ils sont seulement servis pour les rencontres d'ouverture et de clôture. Donc la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour le déroulé des compétitions. D'ailleurs, ce stade s'appelle de Mozambique. Je peux sortir là? Oui, très rapidement. Alors, je sortirai en disant, n'essayons pas de distraire la population camerounaise. Nous avons le droit de réponse d'ici 3 ans et d'ici 4 ans des élections. Dites la vérité aux Camerounais, faites comprendre aux Camerounais que présentement, tout ce que nous avons dit de façon péremptoire, nous sommes en train, toujours en train de donner la mauvaise information aux premiers footballeurs camerounais, et tu es en train de donner la mauvaise information à qui de droit. Voilà pourquoi nous sommes tombés dans ce genre de marasme. Est-ce que le Cameroun est tombé dans son propre piège? Peut-être
peut-il être victime de sa propre turpitude? Le 30 d'abord annoncé, finalement, c'est le 3 décembre que va se procéder à la cérémonie officielle et l'inauguration officielle du stade de Lembe avec la réception certainement définitive de cette infrastructure très attendue par les footballeurs camerounais, les anciennes gloires du football, mais également la communauté africaine. Une CAN avec une cérémonie d'ouverture peut-être époustouflante dans cet antre du football camerounais. Monsieur Frédéric Moutomé, c'est pas le Cameroun qui est tombé dans son piège. Comment ça, le Cameroun n'est pas tombé dans son piège? Moi, je suis camerounais, je suis du Cameroun. Vous êtes camerounais, vous êtes du... Il est du Cameroun. Il a quoi à voir avec la constitution du Cameroun? Non, je vais vous dire la vérité. Dites-nous toute la vérité. La première faire ici, et qui est une vérité d'évangile, c'est que les Camerounais aiment le Cameroun. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. La deuxième précision que je veux faire ici, c'est que les routes ainsi de suite qui ont été conçues dans le cadre de la CAN n'appartiennent pas à certains individus. Ce sont des infrastructures des Camerounais, de tous les Camerounais. Les stades n'appartiennent pas au RDP. Ce sont les stades des Camerounais. Maintenant, si des gens sont spécialisés dans une maladie qu'on appelle la mythomanie, on sait la mythomanie, monsieur... Mentir avec... Voilà. Saka. S'ils sont dans cet exercice-là, qu'ils comprennent que tous les Camerounais ne boivent pas de ce lait-là. Parce que, en fait, vous avez essayé d'indiquer ici que le stade Olimbé se trouve à quelques enclavures du palais d'Etoudi. Je vais vous dire qu'on n'a pas besoin de partir au stade Olimbé quand on est au palais d'Etoudi pour savoir ce qui s'y passe. Pour ceux qui ont eu la chance d'arriver à Etoudi au palais, ils savent que si vous vous tenez au palais, vous regardez le stade Olimbé, vous voyez ce qui se passe là-bas. On dit que vous, si vous essayez de dédouaner une personne ici, à qui la responsabilité est la première dans cette affaire? Parce que les mythomanes croient qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. C'est que vous faites faux débat. Parce que c'est lui qui a dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. C'est lui qui a dit qu'il y a le glissement. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Parce que justement, ceux qui croient qu'ils sont Cameroun, ceux qui croient qu'ils sont les seuls à vouloir la CAN, pensent que nous autres qui disons la vérité, qui voyons le stade Olimbé, ils pensent qu'ils sont les seuls à aller à Yaoundé. Ils pensent qu'ils nous disent qu'ils sont de Bankomo, mais qu'ils voient Yaoundé à partir de Bankomo. Vous voyez donc que ces gars sont... Et ils sont dangereux. Je vais vous dire qu'ils sont dangereux. Ils ne sont pas seulement dangereux pour eux-mêmes, mais ils sont dangereux pour la République. Ce sont des ennemis de la République. Et nous donc, qui ne sommes pas des ennemis de la République, attendons notre CAN. Nous voulons que le stade Olimbé soit prêt. Nous voulons que l'infrastructure réponde aux normes prescrites par la CAF. Parce que nous pensons que le Cameroun a les potentialités d'organiser un événement d'une envergure qu'un autre pays au monde n'a pas organisé. En fait, qu'est-ce que vous mettez dans le monde? Le stade n'est pas prêt. Permettez que je puisse dire les mots. Je reprends les mots du ministre. D'ailleurs, vous avez aperçu le ministre dans la vidéo que nous avons diffusée. Le ministre, vous connaissez le ministre a bel et bien dit que le stade, la configuration, l'enceinte qui sert à jouer au football est effectivement livrée. Elle peut permettre de recevoir des rencontres internationales. D'ailleurs, le Cameroun y a joué il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, contre le Malawi. Donc, pour ce qui est du stade, tout est prêt. Par contre, les aménagements extérieurs constituent un problème pour la CAF. Raison pour laquelle la CAF continue à taper du Cameroun pour que finalement, ces aménagements extérieurs également puissent être livrés. Et donc, la beauté des 60 000 places qui va donc servir pour cette cérémonie d'ouverture. Monsieur Moutomé, il n'y a que des sorciers qui peuvent décoller de là où ils sont pour atterrir directement dans le stade et jouer au football sans passer à côté du stade. La CAF, en fait, ne regarde pas souvent ça. La CAF veut marcher dans le stade. Et la CAF se rend compte que il y a la boue partout et que ce n'est pas digne de ce qu'il y a dans le stade. Et c'est pour cela que la CAF dit qu'en fait, il y a beaucoup de mythomanes. Et c'est pour ça que la CAF souhaite que des gens se ravivent. La CAF est même trop clémente. Parce qu'en fait, c'est depuis... 2000 combien? Qu'on dit qu'il y aura... 2019. On annonce 2007. La CAN en 2014. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème?
Tomé. Et quand vous me dites que le ministre a dit, ils sont au moins deux qui sont passés là, ils ont dit, mais seulement, ils ont dit des choses dans la logique de la mythomanie. Et les Camerounais n'ont plus besoin de ça. Les Camerounais ont des résultats, et parce que nous, nous croyons au Cameroun. Puisqu'ils ne croient plus au Cameroun, puisqu'ils en ont déjà, ils ont déjà dépouillé le Cameroun de tout ce qu'il y a comme richesse financière. Ils pensent qu'après, le Cameroun ne vivra pas. Le Cameroun restera debout. La canne se jouera. Elle sera belle. Merci beaucoup. Abel Imbilbasson, sur cette question de la Coupe d'Afrique des Nations, le stade est pratiquement livré, mais il reste encore quelques incertitudes. On attend encore de voir ce qui va être fait le 3 décembre prochain. Cela annonce la nouvelle date, d'où le glissement que nous avons mis en titrage de cette émission ou alors de cette thématique-là. Un glissement peut-il permettre de sauver les meubles? Parce que si le 3, le délai n'est pas respecté, forcément, va se prononcer. Peut-être pas en faveur du stade d'Olembe à Yaoundé. Parlez trop au nom de la CAF, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vous qui organisez cette compétition. Elle ne vous appartient pas. C'est la CAF qui organise. C'est la compétition de la CAF. Les gens ont la politique, ils parlent au nom de la CAF, ils égotiquent. Vous savez, la CAF s'est prononcée de façon formelle sur la question. J'ai déjà entendu. Oui, je veux qu'on clarifie. Je veux arriver à l'essentiel. Allez-y. J'ai déjà eu à dire à nos amis de l'opposition que cette manière de faire où on calibre, on voit l'apocalypse partout, ça ne nous a pas permis de battre le RDP. Peut-être qu'il est sérieusement temps de passer à autre chose. Les études que j'ai faites à Douala 5 et tout ça ont montré que il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route, il n'y a pas ci, y a... Quand on va aux élections, c'est le RDPC qui est premier dans les bureaux de vote, dans les quartiers où il y a les élobies. Ça veut dire que notre peuple ne se détermine pas par rapport à ces choses-là. C'est pour ça que quelqu'un a dit ici que c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Première chose dans l'histoire de la CAF et de la CAN, des CAN se sont joués dans des conditions plus dramatiques que celles-là. Ici, au 72, quand nous avons joué, tous ces stades étaient en construction. Ça n'a pas empêché que la CAF organise ça ici. Pourquoi? Parce que la Coupe d'Afrique n'est pas seulement un événement qui profite de ce qu'un pays a déjà fait. C'est aussi un événement qui aide les pays à faire. Donc, quand on se place du côté que ça aide les pays à faire, il y a beaucoup de compromis que le populaire